Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec la tsarine Katharina qui a été rejoint par du renfort hein, grâce à leurs exploits. Différents personnages de son armée ont pu recevoir un nom. Nous avons donc maintenant le baron d'Onyx, notre patriarche, qui a quand même plutôt bien fait le taf hein. Ils ont reconstitué les troupes qui aident bien. On a Akel Soukouet, la demoiselle de Givre également. Qui elle aussi hein, a clairement fait ses preuves. Au niveau des régiments d'élite, on a l'escouade Gaelden, la division de Broubrou et les Cosaques de Flo qui nous rejoignent. Grâce à leur gros marteau à deux mains, comme on dit. On a également le régiment des Papillotes, ici, notre cavalerie d'élite. Et on a Malix le Lynx, qui nous rejoint également. Et on a dans l'autre armée Pispous, la sorcière de glace, qui prend la main sur cette armée de renfort qui a quand même plutôt bien fait le taf, hein, même si elle aura souffert, il va falloir qu'elle se refasse. Ça a permis de balancer le combat. Et ici on a Malvinette qui s'occupe de notamment nettoyer le territoire des petites saloperies qui traînent, n'est-ce pas Morphage? Et donc on a encore bien sûr plein d'autres personnes à nommer, on va recruter encore plein d'autres personnes, donc si jamais vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à laisser un petit message, que ce soit sur le Discord ou en commentaire, je vous intégrerai dans l'aventure, même si je le dis une fois de plus, je tourne pas mal à l'avance, vu que j'en sors un par jour, je suis obligé, donc du coup il y a un petit délai, mais ça arrivera, vous inquiétez pas. Notamment on a la garde de Givre ici, les demoiselles de la garde de Givre qui ne sont pas encore renommées. Cela étant, on venait de réussir à prendre ses Pugsy en profitant d'une petite opportunité vu qu'il avait scindé ses troupes. On a notre allié là-bas. Alors on peut voir effectivement où il va et ça c'est quand même vachement sympa. Mais cela dit, je vois pas par quel chemin il y va. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autre chemin ici. Peut-être qu'il veut aller là mais qu'il pouvait pas passer par ici parce qu'il y a la ville. Ouais, donc il est obligé de faire un grand tour. Enfin, s'il fait un grand tour tout là... C'est quand même un petit peu merdique comme trajet. Notre objectif ça va être de lui faciliter la vie en prenant cette ville. Ici on avait géré hein, en faisant les réparations, ouais, pas de problème. Là il a réussi à gérer sa petite rébellion visiblement puisqu'il a plus le moins 20 de rébellion et on va essayer de faire descendre cette corruption chaotique. Très rapidement, il y a encore 3 avec les bâtiments, mais si on est capable de se débarrasser de cette cité là, normalement il aurait pu y avoir le bonus des bâtiments, ça devrait aller mieux. Au niveau du reste, ici on a amélioré un petit peu Prague, parce que c'est notre tête de pont face au Skaven. Hein. Et au niveau là, putain, ils sont déjà remontés à 43, c'est un truc de fou, ils en gagnent 4 par tour quoi. Donc il va falloir qu'on fasse des églises, très vite. Et si possible qu'on réactive un truc, mais le prix varie pas mal. C'est pas évident de savoir pourquoi ça varie autant. Et on a vu qu'effectivement, hein, ça il l'a plus maintenant. Hein. Il l'a gardé un tour quand on l'a redescendu, mais maintenant il l'a plus. Et la campagne qui se lève, on commence à en savoir un petit peu plus sur le jeu, est considérée comme l'une des plus difficiles de la... pour l'instant en tout cas, des campagnes existantes, donc c'est assez bon à savoir. Toi, tu veux toujours pas un petit accord commercial? Non, tu préfères faire ton malin et m'envoyer des caravanes comme ça? Bah écoute, c'est ta vie, on va se débrouiller tout seul. Ok, il a essayé de faire demi-tour. Et puis il prend tellement d'attrition quoi. Si jamais il arrive à destination, son armée elle sera totalement inutilisable. Le clan Mulder, il se replie. Alors vu qu'on a eu des pertes, notre équilibre des forces est un petit peu baissé, mais normalement on devrait être capable de résister à peu près à tout ce qui nous tombe dessus. D'autant que le sud est sécurisé. Ah, ici on a du chaoteux qui arrive. Ah. What happened? Le dieu ours rugit de douleur. Le dieu ours se fait entendre à travers les dimensions.
Son énergie arcanique se déplace à travers le monde des mortels, créant des failles et des portails menant au royaume du chaos. Le sort de la faille, le tome de destin, c'est tout. Les failles sont le moyen d'atteindre les royaumes du chaos. Décidément, je mérite bien ma commission. Mais un portail fonctionne dans les deux sens. Nous pouvons traverser les failles pour pénétrer dans les royaumes du chaos, ou même pour être transportés vers des régions lointaines de ce monde. Mais nous devons fermer les portails qui ne nous servent pas, ou les démons qui en sortiront inévitablement sèmeront la désolation sur vos terres. D'accord, donc on a des portails. Faille de Nurgle. Ah, puis ça fait de la... Ça fait de la corruption en plus. Donc ça c'est de la faille de Nurgle, ici on a de la faille de Korn. Ici une faille de Tzitch. Ça y est, déjà là, on a réussi à baisser suffisamment la corruption. Elle prend plus de... Elle prend plus d'attrition, Pispousse, elle va pouvoir commencer à se refaire. Mais qu'est-ce qu'il faut? J'imagine qu'il faut, il faut combattre, hein. Ça doit pas se fermer comme ça, une faille. Valnir, le chevaucheur de mammouth. Et donc ça... c'est un maraudeur, mais c'est pas un ennemi pour l'instant, mais il est ennemi contre ça. Bon. Ah, c'est des nains, j'allais dire qu'ils se tapent dessus entre eux, mais non, ça c'est un nain. Bon, bah on verra ce que ça donne. Bien, bien, bien. On pourrait peut-être envoyer... c'est un héros peut le fermer, on va tester. On va envoyer Malvinette pour voir. S'introduire dans les royaumes du chaos revient à entrer dans un cauchemar. Il y a quatre domaines dirigés par leur cruel maître. Nurgle, le maître des épidémies. Slaanesh, le seigneur des excès. Tzeentch, l'architecte du changement. Et Korn, le dieu du sang. Nous devons visiter chaque royaume et nous emparer d'une âme d'un prince démon. Car c'est en fusionnant ces âmes, chacune porteuse d'une des grandes puissances, que le chemin caché menant à la forge sera révélé. Je vous laisse les petits trucs qui parlent. Hein. Alors, on peut pénétrer dans le fief du dieu du sang, du prince du chaos, du seigneur de la peste ou du sorcier. Donc là, pas de soucis, ça nous coûte rien. On peut fermer la faille, ça nous coûte 1500 par faille. Ou on peut traverser une faille, j'imagine pour sortir ailleurs, ça nous coûte 1000 et seul le chef de faction peut le faire. Seul le chef de faction peut pénétrer dans le royaume du chaos de toute façon. Donc n'importe qui peut la fermer en échange d'argent, mais sinon il n'y a, y a que la tsarine qui peut faire des choses avec. Et pour l'instant la tsarine, bah faut qu'elle se refasse un petit peu, n'est-ce pas? Et on n'a pas vraiment la thune pour l'instant de faire des excès. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va filer probablement un petit peu de renfort de Pispousse. Non, il est pas assez, voilà. Hop, histoire d'avoir une bonne armée. Et on va... alors j'aimerais bien faire tomber cette cité là avant pour pas avoir de trucs sur mes arrières risqués. Oui, allô, j'ai cliqué. Embuscade. Des fois qu'il décide de sortir, on le chope. Et Pispousse, elle, elle va tenir un petit peu cette zone, même si clairement pour l'instant, voilà, l'ordre public c'est pas trop ça. Mais ça va se stabiliser, la corruption descend quand même relativement vite. Il y a ce truc là d'ailleurs qui doit le faire monter du coup. Ouais, corruption de Tzeentch c'est à plus 6, mais comme on est là, c'est quand même à moins 12, donc ça va. C'est relativement gérable pour l'instant. On peut améliorer un bâtiment, où ça? Là, merde. Ah,
petit crash. Bon. Premier crash que j'ai avec Total War. On va redémarrer ça très rapidement. Hop là. C'est la version presse toujours, hein. Donc c'est le premier crash que j'ai. Je vais mettre en pause et je vous retrouve tout de suite. Et on se retrouve du coup en partie. Alors j'ai repris la sauvegarde juste avant la fin du tour parce que c'était la sauvegarde auto. Mais en fait, on n'a pas les failles qui sont apparues. Donc pour l'instant on n'a pas les failles. J'imagine qu'elles devraient pas tarder. Il y a peut-être. Pourtant j'ai rien changé, mais peut-être quelque chose que j'aurais qui... une petite part d'aléatoire dans le tas, je ne sais pas. Donc dans tous les cas, on va préparer l'armée de la Tsarine. Alors, on va se préparer à un assaut. Ah, et là, il a recruté un péon du coup, lui. Donc on va se foutre ici quand même en embuscade. On va refaire un petit peu nos troupes. Du coup, la corruption descend tranquillou. Un petit peu moins que parce qu'il a invoqué un mec qui fait de la corruption, mais bon. Toujours ça de prix. Lui, il prend plus d'attrition. Ah, on peut faire, il y a une fenêtre de coordination militaire. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas montré ça. Ils ont amélioré le système de fonctionnement des alliances. Donc, maintenant, vous gagnez de la gloire en combattant les troupes de vos ennemis, en travaillant ensemble pour gagner. Donc vous êtes capable de faire des postes avancés comme lui a commencé à en faire chez nous pour recruter des troupes éventuellement de vos alliés. Donc bon là c'est qui se lève et qui se lève, c'est pas forcément très intéressant mais ça peut donner des trucs sympathiques. Et vous pouvez également gérer des missions, demander des cibles, etc. Donc ça va vous demander des niveaux d'allégeance. Donc là vous voyez votre allégeance que vous gagnez, vous en gagnez deux par tour de base et vous pouvez en gagner si vous faites des missions pour eux, pour le bien de l'alliance. Et du coup ça vous permet avant il y avait juste vaguement t'étais allié avec quelqu'un, tu posais le truc sur la map, puis il y allait s'il avait bien envie. Maintenant il y a vraiment un truc beaucoup plus complet. Là vous voyez, si on avait une alliance militaire, je pourrais essayer de réquisitionner son armée pour aller taper sur ça par exemple, directement. Et du coup je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais accepter la mission de vaincre cette armée. Et donc vous voyez, ça me dit pif, maintenant ça, c'est à moi de le faire. Et si je le fais, ça nous fait un petit peu de bonus. Et donc du coup, si je voulais faire un poste avancé, est-ce que ça se fait aussi depuis depuis la fenêtre de coordination militaire? Pour l'instant, non. Hop là. C'est là. Voilà. Je ne sais plus comment j'avais fait pour l'avoir. Poste avancé, elle n'a aucune colonie disponible. Ah oui, il faut une colonie, une grosse colonie de province là, et ils en ont pas en fait. Ils ont que des petits trucs, du coup on peut pas le faire. C'est pas grave. Donc toi du coup tu vas continuer à ramener de la thune ici. Hein. Donc on peut faire éventuellement un bâtiment à Kislev. Avec l'argent qu'on a, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui nous donne plus de thunes? Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Ça coûte 200, ça coûte 900, quasiment tout ce qu'on a, mais il faut vraiment qu'on augmente nos revenus, c'est pas possible quoi. On va travailler sur la diplomatie. Est-ce que des gens seraient d'accord pour un petit pacte de non-agression? Non, un accord commercial, personne quoi. On est trop faible. Dommage, il y aurait sûrement de la thune à se faire, mais bon, s'ils veulent pas, on va passer autour de nos ennemis et voir un petit peu ce qu'ils font. Donc normalement lui devrait a priori pas tomber sur leur armée. Par contre peut-être que eux vont leur tomber dessus. Ah, ici on a un patriarche qui vient nous filer un coup de main, très bien. Alors eux ils font leur vie au sud, hein, pour l'instant clairement. Là je sais pas s'il a réussi à vaincre l'armée ou si elle s'est reculée. Ah ça y est, les failles sont apparues un tour plus tard. Bon.
Ça va. Et on a notre petite capacité de recrutement qui est apparue. Je vous passe le message, on l'a déjà eu. Hein. Il se passe un truc avec nos atamans. Alors, on raconte que dans la cité de Kislev, une lutte d'influence fait rage entre l'étouffante grotte orthodoxie et l'influence grandissante de la cour de Givre, dirigée par la tsarine. Un patriarche de l'orthodoxie de modèle de Givre, agent de la Reine des Glaces, approche tout de qui l'ataman devrait-il charger la faveur? Alors, on pourrait améliorer. Bah, ouais, on va s'allier avec la cour de Givre, mais de toute façon, ça ne nous sert pas à grand-chose puisqu'on recrutera rien dans cette. Dans cette zone, je pense. Je sais même pas si on a de quoi recruter dans cette zone d'ailleurs. Si je pourrais. Je pourrais, mais il faudrait que j'en entraîne. Non, j'en ai que 2 sur 2 de toute façon. Donc éventuellement je pourrais, mais pour l'instant c'est pas possible. Et on n'a pas vraiment le financement pour, on va dire. Alors, on pourrait faire une technologie. Améliorer les petits groms, pas tout à fait. 2% de revenus supplémentaires sur le réveiller le pays, ça pourrait être pas mal. Hein. Un peu moins de corruption aussi. Ça serait clairement intéressant vu comme ça va devenir compliqué avec les failles. Ça ne nous sert à rien au final. Il faut qu'on réveille le pays, on va augmenter nos revenus au maximum. Ici, l'autorité monte doucement, la corruption descend doucement. Donc on va prendre, je pense, la sous-sous. Pisteur du pays des trolls, plus de déplacement. C'est pas mal aussi ça, hein, mais c'est 6. On dirait ça aussi. Moins 25 pour les bois consacrés, plus de... Ah, moins de coûts de construction pour les bâtiments producteurs de ressources. C'est vrai qu'ils peuvent vite devenir chers. Mais je pense qu'on va prendre échange de monnaie, il va nous falloir de la thunasse malheureusement. Ici on est qu'à plus 2 d'autorité encore, donc on peut pas se permettre de faire beaucoup mieux. Ici, on fait déjà réveiller le pays, donc ouais, on va faire réveiller le pays si on a une petite faille de Slaanesh qui est apparue. Il faut qu'on augmente nos revenus absolument. Donc là, il est en train de recruter lui, mais par contre, son mec est resté dehors. Ce qui est assez intéressant pour nous, bien sûr. Je pense qu'on va donc se permettre de lui tomber dessus. Alors, ce serait une défaite valeureuse grâce à sa garnison. C'est vrai qu'on n'est pas encore totalement pris. Mais on va les encercler, on va voir s'ils veulent sortir de leur village. On prend pas d'attrition donc on peut se permettre. Et Pispouce de son côté, elle essaye de tenir le territoire mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Le principal c'est que la corruption descend. Quand la corruption sera descendue... ça sera quand même beaucoup plus tenable. On voit que là, ça sera rien que la corruption fait moins 8 d'autorité. Donc on sera moins 1. Instabilité provinciale, c'est moins 8 aussi. Donc on sera naturellement en positif à terme. Ça, c'est plutôt cool. Lui, il est en raid. Très bien. Pourquoi pas. À sa place, j'aurais fait campement, mais... C'est un choix. Et la petite couronne, c'est la capitale de province. Bah non, ça, c'est pas une capitale de province. Pourquoi il y a une petite couronne dessus? Peut-être parce que c'est une province spéciale. Un endroit stratégique là. Avant on voyait le petit symbole d'endroit stratégique là, mais peut-être que ça a changé. Maintenant il y a une petite couronne quand c'est le cas. Donc là, qu'est-ce que ça lui fait? Permet le recrutement allié de sélection d'unités du recrutement local de la faction. Dehors d'un territoire allié, le recrutement allié est coûteux. Ça apporte une garnison quand même, c'est pas mal. Et en plus de reconstitution des victimes. Franchement, je prends carrément. Faudrait que je trouve s'il y a moyen d'ouvrir ce truc là ailleurs que en cliquant là par contre. Ouais, on peut pas faire de poste avancé, il a pu en faire. On va gagner 15 d'allégeance si on arrive cette mission. Juste de l'allégeance, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Pispouce n'a pas bougé, ouais, Pispouce elle se refait. Ouais, quoique Pispouce elle pourrait se préparer à avancer aussi. Hein.
venir faire son rôle de renfort. Stop, arrête-toi. Tu vas te mettre le plus loin possible, mais tu vas rester dans la zone histoire de te refaire. Malvinette, tu fais accroître les revenus, donc tu vas rester dans le coin. C'est cette province là qui nous rapporte le plus, clairement. Y'a pas photo, ça va peut-être changer une fois qu'on aura construit notre bâtiment ici. Ouais, non, pas. Ça va pas être fou. On va quand même l'avancer par là pour être un peu plus proche de l'action s'il y a besoin. Mais Malvinette, pour l'instant, vu que le clan Mulder se replie, elle va rester par là. Alors lui, s'il pouvait rester ici... Ouais, pas évident. Lui, il nous aide à emmerder le clan Mulder, ça me va assez bien. T'as d'ailleurs vu la baisse d'équilibre des forces, il a dû... Il a dû faire un truc. La faction séducteur de Slanesh a utilisé d'obscurs moyens pour contourner le Maelstrom et pénétrer dans les ruines de Tzinch. Ouais, va falloir qu'on se bouge, hein. Va falloir qu'on se bouge sacrément. Ah, et on va probablement avoir bientôt une invasion du chaos parce que notre dévotion est faite. Mais si on arrive à faire tomber ça, il y a moyen que la dévotion soit élevée. Remonte un petit peu en tout cas. Frostfangs bite. Victoire à la Pyrrhus. Ah ouais, carrément. Carrément victoire à la Pyrrhus, ouais. Ah oui, alors c'est vrai que ça y est, je vous en ai pas parlé encore, on n'a pas eu l'occasion, mais maintenant, les renforts mettent un temps à arriver. Selon leur position, selon ce qu'il y a sur la map, etc., ils peuvent arriver bien plus tard que le reste de l'armée. Et ça, c'est quand même assez cool. Des petits dégâts perforants, qui c'est qui a des dégâts perforants? Vous, c'est pas vraiment des dégâts perforants, hein. Ah si, perforation d'armure avec leur arme. Bah, l'escouade de Gaelden va prendre un petit bonus de dégâts perforants. Et plus de commandement... ...78 de commandement ici... Eux, ils ont un commandement relativement faible. Je pense que la cavalerie, c'est souvent celle qui s'éloigne. Alors ce qu'on pourrait faire par contre, c'est lancer l'assaut avec Pisse-Pousse. Tout simplement pour pouvoir mettre la Tsarine en... On va reculer deux secondes. On va lancer l'assaut avec Pisse-Pousse. Encercler bien sûr, on va pas attaquer, hein. C'est juste pour que elle puisse se mettre en campement et terminer de reconstituer ses troupes. Et là du coup, lui... ah, on peut sélectionner une cible. On peut sélectionner un truc ennemi, il va essayer de l'attaquer, ou un truc allié. Il essaiera de la protéger pendant une durée limitée. Rien ne garantit que votre allié vous aidera s'il doit affronter d'autres menaces stratégiques critiques de son côté, comme une invasion. Oui, on peut pas faire ça. Je me disais, on va peut-être pouvoir le faire, mais on peut pas le faire parce que il faut qu'on ait une alliance militaire pour pouvoir lui prendre son armée. Ça aurait été cool de pouvoir prendre son armée puis de l'utiliser pour le truc. On n'a pas besoin pour l'instant de lui donner une coordination militaire. Après, on commerce avec eux ou pas? On pourrait faire une alliance défensive. On commerce déjà, c'est pas si mal. Accord commercial, personne, un accès militaire. Eux, ils seraient pas contre une alliance défensive, ils ont deux colonies, mais ils sont un petit peu trop dans le mal. Bon, je pense qu'ils ont réussi à repousser la grosse armée qui traînait à côté d'eux. Mais c'est quand même pas évident. C'est quoi ce truc-là? Corruption de corne. Ah oui, 100 de corruption universelle, moins 300 de croissance, putain. Cette violence. Et on peut avoir plusieurs corruptions maintenant, vous voyez, hein. Avant, si on avait une qui montait, ça faisait fatalement baisser une autre. Mais maintenant, vous voyez qu'on peut avoir totalement 100 de corruption de chaos universel et 100 de corruption de corne et 100 de corruption Skaven. Et avoir tous les malus qui vont avec. Même si les corruptions des différents chaos donnent des bonus, visiblement. C'est quand même assez cool.
c'est quand même assez cool. Donc ici, ils vont prendre tranquillement leur attrition. Ils décideront de sortir s'ils décident de sortir. Malvinette, elle tient la zone. On commence à avoir un petit peu de sous. Oui, on peut construire un truc ici. Est-ce qu'on peut faire une église? Ça va nous coûter 32 dévotions, mais il faut qu'on fasse des églises. Parce que l'autre, là, il va... Putain, il passe à 65. La vache. Nous, on est à 26, hein. C'est compliqué. Après, on pourrait rentrer en guerre contre eux, hein, et aller les défoncer, hein. Ce serait une possibilité. Mais je pense que ça reviendrait cher de faire ça. Est-ce que je pourrais le faire? La grande orthodoxie. Alors, nanana, paiement. Je peux pas les attaquer, rejoindre la guerre. Rompre l'accord commercial. Ah, je peux pas entrer en guerre contre eux. Est-ce que je peux rentrer en guerre contre une autre faction? Faction avec laquelle j'aurais pas d'accord, par exemple. Genre eux, là. Oui, je peux leur déclarer la guerre. Donc c'est parce que c'est la grande orthodoxie. Je peux pas leur déclarer la guerre. Donc on est obligé de les combattre différemment. Intéressant, ça. Ça c'est très intéressant et c'est aussi très compliqué du coup. On a pris du retard, il va falloir qu'on avance. Ah, il y a plein d'autres factions qui sont apparues. Lui du coup il va gérer les Skaven, s'il y arrive avec son armée tant mieux. Je suis un petit peu dubitatif mais après tout pourquoi pas. Eux ce serait intéressant d'avoir un accord avec eux aussi. Je vais essayer de voir si je peux pas les draguer un petit peu. Le clan Mulder, il nous renvoie Garth, ok. Très bien. Ça fait chier l'ordre public, mais on s'en remettra. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent un truc avec leur héros? Non, ça va. A priori, rien d'autre. La Dandor a évité le Maelstrom et pénétré dans le royaume de Slaanesh. Et les provinces du Nord également. Refermer une faille du chaos. Ouais. Pourquoi pas? On pourrait refermer genre celle-là parce qu'ici ça va foutre un peu la merde. Donc là c'est marrant, hein, y a moins de croissance et moins d'autorité, mais par contre les bâtiments génèrent plus de thunes. T'es qui toi? Putain, y a un héros cultiste de Nurgle qui est sorti de la faille. Ça c'est intéressant. Du coup, corruption de Nurgle et arrive à monter doucement. Ici, on pourrait doubler nos revenus. Enfin, nos revenus de cette zone-là, j'entends. Hein. Ou éventuellement ça, augmenter notre croissance. Et réduire les coûts de construction, mais... Là, on est à moins 10. On gagnerait 5% de coûts de construction. Mais je pense que ce truc là sera beaucoup plus rentable très rapidement. On va claquer de la thune parce que notre économie est vraiment lamentable. Faut quand même en avoir conscience. C'est tout pourrave. On passe à une victoire de justesse ici. Petit à petit on les lamine. C'est vrai que ça, à la fois ça rend le jeu un petit peu différent, mais le fait qu'avant il y avait des tours à attendre avant qu'il n'y ait plus de réserve, puis des tours à attendre d'attrition. Maintenant, c'est direct de l'usure. Ça change un petit peu la donne, quoi. On perdrait juste ces deux troupes-là. Franchement, on va le faire, hein. Faut qu'on avance. On gagne de la dévotion, de la trésorerie, de l'expérience. Ouais, on va mettre à sac. On a terminé notre mission. Briseur de chaos pour la tsarine. Et on a réussi à réduire l'entretien des unités à moins de 80% des revenus en perdant ces troupes là. Ben, très bien. Ça me va. Et par contre, là on va sortir du campement et on va aller la prendre cette cité maintenant qu'on s'est fait un petit peu de sous. On casse une cité niveau 1 du coup, hein, mais normal. On peut faire quoi? Des puits de cinabre, avoir de la teinture, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal.
Ou alors un hôtel orthodoxe, c'est bien aussi, hein. Et enfin, on va pouvoir générer un petit peu de croissance dans le coin. Pour augmenter ça, générer de la dévotion. Mais 30 de dévotion pour construire ça, c'est chaud. Là, ça me coûte pas de dévotion de construire ça, en juste de l'or. On va partir sur de la ressource. Parce que le cinabre, il y a moyen que ça se vende quand même. Valeur de la ressource 10. C'est pas tant que ça. C'est pareil que. C'est un peu plus que le bois et pareil que les fourrures. Ça va quand même nous aider, hein. Ça représente quand même 200 potentiellement de thunes. Donc ça peut quand même nous aider. Bon, Pisse-Pousse, t'es un peu toute seule du coup. Mais tu commences à t'améliorer. On va t'améliorer ton baiser de la Vierge des Glaces pour la peine. Tu vas commencer à te diriger par là. Ah oui, t'as pris plusieurs niveaux en fait. Carrément plusieurs niveaux. On va améliorer ça. Et ça également. La corruption a l'air d'être un sacré problème. Hein. Le patriarche. On peut pas faire ça, par contre on peut prendre ça. On prend plus de reconstitution, ça va nous aider. Toi, tu peux améliorer des trucs. Réserve magique. 20%. On prend. Et la Tsarine est level 14. On peut prendre un ours de guerre. Ou alors l'appel du gardien. Invoque un léopard des neiges. Ok. On va lui prendre un ours. Je pense que la Tsarine sur un ours. Ça me paraît le minimum, quoi. Parchemin vampire. Non, c'est très bien ce qu'on a là. Parfait. Toi, je t'avais équipé, Pispou, je sais plus. Au niveau des armures, on n'en a pas. On peut filtrer par catégorie, voilà. On n'a pas d'armure. Au niveau des armes, t'as déjà des trucs. Au niveau des talismans, t'es occupé. Objet arcanique. On va filtrer par chemin vampire. Et au niveau des auxiliaires, ils sont tous déjà équipés. Très bien. Which to be? Alors, avec cet argent, on peut peut-être investir dans des trucs. Améliorer ici notre étal, améliorer la patrouille du guet. On va jouer l'argent. Et ici, par contre, on pourrait se permettre de prendre un peu de croissance. On va garder un petit peu de sous. Là, on va améliorer ça, mais ils sont déjà à 6 par tour, eux. C'est clairement tendu, hein. Et la dévotion qu'on gagne, c'est pas ouf, hein. Honnêtement, c'est vraiment pas oufissime. On pourrait fermer ça. On va aller fermer ça. Oh, et en plus, c'est passé à plus 8 de corruption. Donc ça augmente avec le temps. C'est 1500 pour fermer la faille. Merde. Pardon, je crois que c'était 1200, mais non, c'est 1500, on n'a pas assez du coup. Donc on va pas le faire. Ils ont une cargaison de 500, très bien, pourquoi pas. Ah, ici l'autorité descend un petit peu à cause de lui là. Peut-être falloir que Malvinette aille s'en occuper. Il est remonté à 93 factions. Ça varie pas mal quand même, hein. Sûrement parce que ça doit être les factions de Nurgle qui sortent des failles. S'ils font des trucs à droite à gauche, très bien. Il a ramené Morphage mais il a sorti Garz, très bien, bah écoutez, pourquoi pas. Eux ils sont pas disparus encore, il doit leur rester un truc quelque part. Il va falloir faire gaffe parce qu'il y a moyen qu'ils se pointent à un moment. Ouais voilà, la nuée putride, c'est une nouvelle faction qui apparaissent. Ils vont se balader. Poussez une faction à rejoindre votre confédération. J'aimerais bien. Honnêtement, j'aimerais bien confédérer avec eux là. Il y a peut-être moyen à un moment. Ce que je vais faire, c'est que eux, ils m'aiment de moins en moins parce qu'on est une menace stratégique. Est-ce qu'on peut éventuellement envisager au moins une alliance défensive ?
Ah, je peux pas ajuster l'offre. Par contre, je pourrais menacer. C'est un petit peu naze de les menacer pour ça. J'imagine que c'est parce que j'ai pas assez de sous pour payer, en fait. J'ai pas assez de sous pour payer. Mais bon, on a on commerce, on a un pacte de non-agression, pardon. J'y arrivais. Donc quand même l'un dans l'autre, ça devrait aider petit à petit. Ça descend un petit peu à cause de la menace stratégique, mais j'ai bon espoir qu'on puisse quand même devenir potes à un moment. Nos revenus s'améliorent un peu, j'aime bien essayer de rester au moins à 1000. On pourrait, je pense au prochain tour, quand on sera complètement refait, on ira faire un tour dans la faille de Tsinch, voir un petit peu ce que ça donne. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode puisqu'il est largement assez long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez rejoindre l'aventure, donnez-moi un nom de régiment ou de personnage. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.